Dans ce tutoriel 13 sur l'éditeur Unreal Engine 4, nous allons voir comment l'on peut créer maintenant des matériaux intensiers. Un matériel intensier est par définition un enfant d'un matériel parent. Alors je commence par créer un premier matériel que j'appelle mi-parent. Au lieu de créer une base color avec un vecteur constant, donc RGB, eh bien, on va utiliser des paramètres vector. Donc, on va retrouver dans la catégorie donc paramètres. On a ici toute une collection de paramètres. Alors, on va prendre le vecteur paramètre que l'on place dans la scène. On va lui donner un nom ici, on va l'appeler base couleur. Le nom que l'on vient de créer ici ou bien encore ici. Donc ce nom aura beaucoup d'importance par la suite. Ensuite on peut créer ici un groupe. Alors nous verrons après par la suite à quoi servent ces groupes. Alors on va appeler ici base par exemple, un groupe paramètres base. Ensuite, si je veux aussi agir sur les paramètres de la texture, eh bien je sélectionne en tout premier la texture, donc dans le répertoire texture, et ensuite je vais sur texture, paramètres simples, paramètres 2D, je fais un drag and drop dans la scène. Et au bout d'un petit moment, après le rafraîchissement, vous voyez apparaître donc la texture ici. Alors, même chose, ici on donne un nom. Je donne donc le nom ici, base color texture. Et je le mets aussi dans le même groupe, paramètres de base. Ensuite, je vais faire le montage suivant. Je vais mettre un multiplicateur entre les deux modules. Donc je vais mélanger ces deux modules pour les appliquer ici sur la base couleur du parent. Alors on va très bien comprendre à quoi servent donc ces trois modules. Ici, si je change, vous voyez la couleur de base et la texture, eh bien on peut donc changer la couleur de la texture. Alors je laisse ceci pour l'instant. Ensuite je sauve mon travail. Donc voilà le résultat que l'on obtient pour l'instant. Alors nous venons ici de créer le parent. Alors maintenant, pour créer un matériel intensier, eh bien, il va falloir qu'on clique avec le bouton droit et on fait « Créer matériel intense ». Donc, on voit apparaître ici le nouveau matériel qui vient d'être créé. Alors, je clique deux fois dessus pour ouvrir l'éditeur de matériel intensier, qui est quand même différent. Donc, on a bien sûr toujours un preview. On retrouve ici dans les caractéristiques, eh bien, le parent, donc c'est le matériel que l'on a créé précédemment. Et ici, on a des paramètres que l'on peut modifier. Alors, on trouve le fameux paramètre de base, donc le groupe, que je peux développer en cliquant à cet endroit. Alors ici, j'ai la possibilité de jouer sur la couleur de base ou bien aussi sur la texture. Alors, maintenant, eh bien, je coche cette case pour pouvoir changer, vous voyez, la couleur, donc en temps réel. Donc on voit tout de suite l'utilité des matériaux intensiers. Les matériaux intensiers vont nous permettre de créer, à partir d'un même parent, plusieurs matériaux différents, avec des couleurs différentes, des textures différentes, et ainsi de suite. Alors, on vient de voir qu'on peut changer facilement la couleur, mais on peut aussi changer les textures.
Alors, ici, eh bien, je vais choisir dans le répertoire texture, par exemple, cette texture. Je clique sur cette flèche pour l'appliquer sur le modèle. Je peux donc sauver ce matériel intensier. Maintenant, juste pour revenir un petit peu ici sur le matériel parent, donc est ici. Souvenez-vous, donc le groupe ici, eh bien, c'est ce qu'on retrouve donc ici, le groupe. Et à l'intérieur, on a la base couleur et la base couleur texture que l'on peut modifier grâce à ces modules paramétrés. Donc ici, on retrouve le parent qui est appliqué sur cet objet et ici le parent intensier. Vous pouvez donc aussi vérifier ici en cliquant ici sur la loupe et voyez parent intensier et puis ici, eh bien, on a le parent. Et si maintenant, par exemple, je change la couleur donc, du parent intensier, eh bien, on voit tout de suite en temps réel dans l'éditeur ce qui se passe. C'est quand même assez stupéfiant et extrêmement performant. Ceci nous laisse supposer que si l'on utilise le Visual Script Blueprint, on pourra aussi changer dynamiquement les textures. Donc, si l'on revient sur le parent, eh bien, on peut agir maintenant, par exemple, sur le métallique. Alors, pour cela, on va utiliser un paramètre scalaire pour le métal. Alors, ici, on va l'appeler métal. Ensuite, on va faire ce lien. On peut encore rajouter un autre paramètre sur la rugosité, je l'appelle par exemple rugueux. Alors ici, bien sûr, on peut donner des groupes. Je crée par exemple un groupe matière. Je vais faire la même chose pour le métal, je vais le mettre dans le même groupe. Je fais ce lien et ensuite je vais pouvoir sauver, retourner dans le matériel intensier et voyez, j'ai le groupe matière qui vient de se créer. Alors métal, donnons une valeur ici 1 ou bien 0,5, un peu de rugosité 0,8. C'est un peu trop. 0,2. Voilà, on a vraiment une nouvelle matière qui est créée. On sauve. Et on va regarder dans la scène le résultat final. Donc, on vient de voir ici les bases des matériaux intensiers. Donc, ceci sera la fin de ce tutoriel 13.